Coucou. Alors je commence cette vidéo en vous remontrant trois enveloppes que j'avais dans la précédente vidéo, la 14, la 15 et la 16, donc que j'ai ouvertes dans la vidéo précédente. Oups là, tout est tombé. Je voulais vous dire que je ne vous ai pas oublié hein, sur mon petit carnet. Donc la 14, c'est Isabelle. J'espère que vous voyez bien. La 15, Myriam. Et la 16, Marie Calac. J'espère que vous voyez, j'ai l'impression que vous ne voyez rien du tout. Voilà. Donc vous êtes bien marquées, hein, les filles, je ne vous ai pas oublié. Voilà, alors maintenant, on se retrouve pour l'ouverture de deux enveloppes, enfin, une enveloppe, une grosse enveloppe et un paquet. C'est le numéro 17, et ça sera le numéro 17 et numéro 18 que je marquerai. On va commencer par cette enveloppe qui est super belle, avec des petits cœurs partout. Qui m'a été envoyé par, je ne sais plus son prénom, Stéphanie. Voilà. Avec un astérix et un idée fixe hein, dessus. Alors, je vais m'empresser d'ouvrir l'enveloppe. On va pas l'abîmer plus que ça. Oula. Vous avez raison de bien coller, les filles, parce que avec la poste. J'ai l'abîmé comme ça. Vaut mieux que je la coupe en haut pour une fois. Ça fera pas sinon. Ça m'ennuie, mais je préfère faire comme ça. Voilà. Désolée un petit peu. Oh là, t'as plein de choses. Elle est belle dedans. C'est plein de chaussures avec des lunettes et tout et tout. Il y a plein de choses. Si vous arrivez à voir, si vous voyez là. Elle est chouette, hein? Il est beau ton papier. Sympa. Alors, je vais chercher la carte d'abord. Toc. Oh, qu'elle est belle. Hello, enjoy, amitié, bisous. Et la petite gorgeuse au milieu sur un fond qui est superbe sur un papier aquarelle. Super beau. Super beau. Alors. Ah, c'est Pose Scrap. Bah oui. Mais bien sûr, bah vous connaissez Pose Scrap, Stéphanie. C'est gentil, ça, de le souhaiter longue vie à ma chaîne, j'espère. Oui, t'as pas fait avec le bingo, c'est pas grave du tout. Tu sais bien, je l'avais dit hein, au début. C'était pour vous aider au cas où vous étiez en manque d'inspiration. Et dans la mesure où c'était pas le cas, il n'y a pas de problème. Au contraire. Et la petite ATC qui est magnifique avec une gorgeuse aussi, c'est la même. Avec la petite fleur qui va bien avec. Alors, c'est coordonné, c'est super joli. Un joli paperclip par la même occasion. Amitié 1, c'est la 3 sur 3. Donc, tu as YouTube, Pose Scrap, bien sûr, Stéphanie. De toute façon, je mettrai en barre d'infos. Super. C'est joli, ton duo est joli. En plus, ton enveloppe, elle est assortie. Tout est bien assorti, c'est beau comme tout. C'est validé, hein, le concours, hein, rassure-toi, il n'y a pas de problème. Oh, des belles petites montres goussées. Que je reprenne mon petit papier là pour que vous voyez. Ça, c'est chouette, ça. Petit mur de briques comme ça. Alors ça, pour mettre sur des créas, c'est super beau, ça. Et là. Ah, ça, je l'ai vu. J'ai dû recevoir une carte avec ça dessus. Ce joli triangle avec les petits oiseaux marqués amitié. C'est vraiment très beau, ça, aussi. Tout en finesse. Oula. Voilà. Regardez comme c'est beau. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est gentil. Hop, oh, des beaux tamponnages. C'est sympa, ton papier. Il est chouette, ce tampon. Il me semble que c'est un Casey Art. Non, un florilège, celui-là. Il me semble. Mais je me trompe peut-être. Et là, c'est Cupcake. Profitez comme jamais. T'as raison. C'est vrai que ça,
C'est ce qu'il faut faire. Et là, c'était marqué surprise. Il n'y en a plus des surprises. J'ai tout enlevé déjà. Et ta petite enveloppe, elle est belle comme tout en plus. Et beau ce papier. Un effet cuivré sur le craft là, avec les coucous. Enfin, toutes sortes de montres. Montre, sablier, réveil. Il y a un coucou là. C'est joli, hein. Alors là, tu m'as mis plein de petits trucs en tissu. J'ai des beaux rouages en bois. Regardez ça. Ah, j'ai une petite chaussure qui se promène, là, on dirait. Non, c'est pas une chaussure. C'est un petit morceau. Hein. Regardez, ils sont beaux. Hein. Alors ça, tiens, pour le mix média, c'est super chouette, ça. Et ça, c'est très, très joli, ça. C'est de la toile avec une impression blanche dessus. Les turquoises, là, sont très belles aussi. Enfin, je regarde ce que je peux faire avec ça. C'est sympa, ça. Voilà. Ben, écoute, Steph, te remercie beaucoup, 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 beaucoup. C'est super gentil. Merci pour ton envoi. Je sais, les filles, que vous avez plein de trucs à faire, plein de trucs à suivre aussi. Parce qu'en ce moment, il y a pas mal de concours en route, j'ai l'impression. Et c'est pas facile de fournir partout, je pense. Hein. Voilà. Je range ça. Je vais remettre ça. Si je peux, j'y arrive pas. Oh là là, écoutez. Hein. Voilà, je vais mettre comme ça, je vais mettre ça comme ça. J'enlève le bingo. Je remets mes petits trucs là. Et je mets pour le moment de côté ta carte et ton ATC. Et voilà. Et je te dis un grand merci beaucoup. Alors, maintenant, on va passer au numéro 18. Alors, ce colis me vient de Belgique. Je suis allée chercher tout à l'heure un Mondial Relais. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je sais qu'il me vient de Sun, des ateliers de Sun. Si vous connaissez, Sun fait aussi des choses splendides. Mon Dieu, il y en a des choses aussi. Oh là là, tu m'as fait des folies, Sun. Hop, 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 hop. Alors, j'ai plein de chocolat. Alors, avec les chocolats de Kinou et tes chocolats, hein, je vais avoir une crise de foie, moi. Ah, regarde. C'est super, moi, j'adore ça. J'aime bien. Oh là, je sors tout parce que je vais enlever le carton. Qu'est-ce que tu m'as réalisé? Oh, il y a quelque chose. Hé, il y a encore un chocolat. 4, ben voyons. Hein. Toc. Merci, Sun. Alors, Sun a des magnifiques, de très jolies étiquettes. Regardez ça. Alors, comment je fais? Merci, Sun. Alors, toc. Oh, regardez sa carte. Encore un poids, c'est tiens magnifique. Merry Christmas. Oh, c'est joli. Un fond tout embossé avec en dessous donc un autre papier qui est plein de paillettes rouges. Vous devez le voir, j'espère. Regardez, c'est joli. Hein. Je ne vous montre pas le dos parce que, enfin, un petit peu. Parce que j'ai mon petit mot dans le dos. Voilà. C'est joli comme tout est belle ta carte. Alors là, c'est beau ça aussi. Hein. C'est le même papier que le dos de ta carte, ça. Alors, comment ça s'ouvre? Toc. Oh, tu m'as mis des die-cuts. Trop bien. J'en ai pas de ça, moi. J'en ai pas acheté. C'est quelque chose que j'utilisais pas parce que, je sais pas, j'en avais pas et puis j'y pensais pas. Et plus ça va, plus je vois que les filles, elles utilisent ça. Il y a des trucs... c'est vrai que c'est assez sympa à mettre sur une créa. Oh. Une belle étoile toute poilue. Ah oui. Et là, oh bah oui, tu m'en as mis plein. Pouah, sont belles les fleurs. Ça, c'est chouette. Hein. Faut que j'arrive à prendre l'habitude de faire des montages avec ça. Parce que je trouve que c'est... Il y a vraiment de belles choses. Hein. Ça donne vraiment un plus. Bah écoute, je te remercie, Sun, c'est sympa. Ça va me permettre, toi, d'essayer parce que
m'en sers jamais. Hop. Puis alors, ta présentation, c'est chouette, hein. Avec ta carte. Les ateliers de Sun. Donc, elle a un Facebook, un Instagram, un YouTube. Et un... Je sais pas ce que c'est. Tu nous le diras, Sun. Hein. Y a pas de souci. Alors, j'enlève ça. Et maintenant, on a ça. Toujours avec sa belle étiquette, les ateliers de Sun. Bon, je ne vais pas trop vous la montrer parce qu'il y a son adresse. Hein. C'est pas le but. Sun 2019. Attention, attention. Je retourne. Oh là 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 là, Sun, c'est beau. Regardez ça. Oh, ce tableau que tu m'as fait. Oh là. Toutes les petites fleurs en papier. Bah, dis donc. Elle a de la chance qu'il ne soit pas abîmé venant de Belgique parce que. Connaissant le soin qu'ils prennent à nos, pour promener nos paquets. Oh là là, c'est très 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 joli. J'espère que vous voyez avec cette lumière. Alors là, on a With Love. Avec amour, avec amitié. Et un trait. Alors en dessous, on a. Tu as des moulages que tu as. Là, il y a un moulage avec du doré dessus. Un moulage. Il est dans les tons de noir et violet. Là aussi, un énorme flocon doré. Tout un truc là. Là, il y a une plaque en métal. Une étiquette en métal, en fait. Des fleurs en mousse et en papier. Un magnifique flocon là, qui est en biais posé. Là aussi, il y a des micro-perles derrière. Ah, c'est beau. Hein. Et le fond noir pailleté. Vous voyez, ça brille. Super. Bah écoute, Sun, je te remercie énormément. C'est vraiment magnifique. Bah, ça va me faire encore une belle déco dans mon atelier, ça. Super. Ah, je suis trop contente. Merci, merci, merci. Voilà. Bah écoute, il me reste à te dire un grand merci encore une fois. Oh, il y a un petit machin. Tiens, j'ai parlé trop vite, regardez. Il y a un tout petit là qui s'est enlevé. Je ne sais pas où il était. Pas, j'essaierai de le remettre, mais je sais pas où. Non, c'est pas là, c'est sûr. Tu me rediras peut-être où tu vois où il se situe parce que lui il est tout seul, il s'est décroché. Autrement, a priori, tout est resté. Peut-être qu'il est par ici, je mettrai par là, moi, mais bon, là, il y a une petite perle aussi. Voilà, bah, écoutez, pour aujourd'hui, ce sera tout concernant les boîtes aux lettres. Je vais vous remercier énormément toutes les deux parce que franchement, vous m'avez fait de très jolies choses. Donc là, on a Sun. Voilà. Et là, toc, on a... Qu'est-ce que j'ai mis? On a Isabelle ici. Voilà. Regardez si c'est beau. J'aime bien ça. J'en ai des gorgeuses, je fais rarement des cartes avec. Ça rend pourtant super bien. Super. J'ai fait une carte là. Je vais aller. Il n'y a pas longtemps. Ben voilà, je ne sais plus où je l'ai mise. Je vous la montrerai une autre fois. J'ai tellement de bazar sur mon bureau si vous voyez ça. J'ai fait une carte avec une petite gorgeuse il n'y a pas longtemps, mais je ne sais pas où elle est. Je vous montrerai après. Voilà. En tout cas, merci, merci. Merci beaucoup les filles. J'ai oublié ma petite pince là. Je vous dis à très très bientôt et mes chocolats. Et je pense qu'il va encore y avoir des balles puisque j'attends encore des envois. Hein, que les filles. Pour le moment, je n'ai rien d'autre. Aujourd'hui, on est samedi. Je n'ai rien reçu d'autre pour le moment. Donc, ça permet aux filles aussi de savoir où en sont leurs envois. Voilà. Et donc, n'oubliez pas, le résultat du concours est reporté donc au 7 décembre. Il faudra que je vous remontre aussi les lots puisque j'ai rajouté 2-3 petites bricoles dedans. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.